Nous sommes toujours en train de parler de notre thème de cette année. We are still talking about our theme of this year. Le ciel sur la terre. Heaven on earth. Demande à ton voisin, est-ce que le ciel est déjà sur ta terre? Ask your neighbor, is heaven already on your earth? Demande à ton voisin, dis-lui. Ask your neighbor. Est-ce que le ciel est déjà sur is toi? Is heaven already on you? Parce que cette année, because this year, déjà le mois de janvier vient de terminer. The month of January has just ended. C'est le dernier jour de janvier aujourd'hui. It's the last day of January today. Demain nous commençons février. Tomorrow we start February. Nous avons pris des résolutions à la fin de l'année. We took resolutions at the end of the year. Nous avons dit cette année il faut que le ciel s'ouvre sur nous. We said this year heaven has to open on us. Il faut que la gloire de Dieu soit sur nous. The glory of God has to be on us. Mais est-ce que cela a déjà commencé but chez toi? But has it already started in you? Si cela n'a pas encore commencé. It has not yet started. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment forcer l'ouverture du ciel. How to force the opening of heaven. Comment forcer l'ouverture du ciel. How to force the opening of heaven. Parce que nous ne voulons pas arriver en avril et le ciel est toujours fermé. Because we don't want to get to April and heaven is still closed. Il faut que ça soit ouvert. It has to be open. Sur chacun de nous. On each one of us. Il faut que ça soit ouvert. It has to be open. Sur cette église. On this church. Il faut que ça soit ouvert. It has to be open. Sur ta famille. On your family. Et pour cela, nous avons besoin de clés. And for that, we need keys. Pour forcer. To force. Rappelez-vous que la Bible dit que le royaume des cieux remember est forcé. Il n'y a que ceux qui sont forts. And only those who are strong. Qui s'en emparent. That tu veux que le ciel s'ouvre pour toi. To open for you. Il faut que tu utilises une clé pour forcer. You need to use the key to force the entrance. Before the opening of Alléluia. Heaven. Mais d'abord, c'est quoi le ciel ouvert? But first of all, what is an open heaven? Quand on dit que le ciel est ouvert, qu'est-ce que cela signifie? When we say heaven is open, what does it mean? Ceux qui étaient vendredi, ceux qui ont l'habitude de venir vendredi, those who were here on Friday, we talked about it on Friday. Et ceux qui ont été fidèles depuis le début de l'année, chaque dimanche, ils savent and those who have been faithful from the beginning of the year, every Sunday, they know what we are talking about. Le ciel ouvert signifie qu'il n'y a pas de limite dans l'accès à la provision de Dieu. An open heaven means that there's no limit to the provision of God. Donc, quand je dis le ciel est ouvert pour moi, when I say heaven is open to me, ça signifie je n'ai pas de limite. It means I don't have any limits. Pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. To receive something from God. J'ai besoin d'une maison. I need a house. La maison est là au ciel. The heaven is there in heaven. Je dis seulement à Dieu, Dieu fait ça, fait descendre la maison. I tell God, make the house to come down. Et il me le donne. And he gives me. Pas de limite dans l'accès à la provision de Dieu. No limit to the access of God's provision. J'ai besoin de me marier. I need to get married. J'ai dit Seigneur, dans le ciel là-bas, il n'y a pas de mari. I said heaven, we have a God in heaven up there. Ou de no husbands or wives. Et Dieu va descendre. And God will bring a husband or a wife for you. Quelquefois, comme nous l'avions dit la fois passée, ce n'est pas que l'homme descendra du ciel. At times, like we said last time, it's not that the man will come down from heaven, du ciel. But the woman will come down from heaven. Mais Dieu va seulement ouvrir nos yeux. But God will only open our eyes so that we can see loin. That the person was not really far. Ça, le ciel ouvert. That's open heaven. Le ciel ouvert, c'est aussi la gloire de Dieu sur notre vie. Open heaven is also God's glory upon our lives. Rappelez-vous qu'il y a des gens comme Moïse. Remember that there are people like Moses. Quand il était descendu en Israël. He went to Israel. Après avoir été dans la présence de Dieu, after being in the presence of God, les gens pouvaient le voir. People could see him. Et dire il y a de la gloire dans la vie de cet homme. And say the glory in the life. Quand of le ciel est ouvert sur when toi, heaven is open upon you, partout où tu passes, wherever you go, les gens t'aiment sans effort. People love you without any effort. Les gens t'ouvrent leurs portes sans effort. People open their door effortlessly. Pourquoi cela? Why is parce it que la gloire de Dieu because est sur the toi. Glory of God is upon you. Parce que la faveur de Dieu because est sur toi. Because the favor of God is upon you. Parce que la grâce de Dieu because the grace of God is upon you. La Bible nous dit que Jésus Christ the Bible says Jesus grandissait en stature that parce que la grâce de Dieu était sur lui. That Jesus Christ grew in stature because the grace of God was nous upon avons you. Besoin de cette gloire de Dieu so 24 sur 24 24 hours on 24 pour que les portes nous soient ouvertes. So that doors should be open. La gloire de Dieu aussi the glory of God too. C'est mener une vie qui a une signification. Also to live a meaningful life. Vous savez qu'il y a des gens qui sont nés
You know, there are people who are born vont mourir, and they're going to die. Et même quand ils meurent, personne ne les marque. And even when they die, nobody takes note that they are dead. Parce que ta vie n'a pas une signification. Because your life not have any meaning. Même les membres de ta famille. Even the members of your family. On va leur dire, il y a Kingani qui est mort. They're going to tell them that Kingani is dead. Ah, on ne savait même pas qu'il était vivant. They say, oh, we didn't even know he was alive. Alléluia. Donc, une vie où le ciel est ouvert, c'est une vie qui a une signification. A life where heaven is open is a life that is meaningful. Il y a un impact dans la vie des autres. There's an impact on the lives of others. Et quand tu n'es pas là, and when you're not there, les gens ont mal que tu ne sois pas là. People are hurt that you are not there. Alléluia. C'est ça une vie où le ciel est ouvert sur toi. That's a life where heaven is open upon you. C'est aussi une vie où tu vis comme Dieu, comme Jésus lui-même. It's also a life where you live like Jesus himself. Jésus-Christ a dit ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Jesus said what I've done, you can also do. Tu vis comme Jésus. You live like Jesus. Tu vas de lieu en lieu. You go from place to place. Faisant le bien. Doing good. Souvent nous allons de lieu en lieu faisant le mal. Often we go from place to place doing bad. Mais quand tu es comme Jésus, but when you're like parce Jesus, que le ciel est ouvert, because heaven is open, tu vas de lieu en lieu. You go from place to place. Faisant le bien. Doing good. Et puisque le ciel est ouvert sur toi, and because heaven is open upon you, les miracles miracles accompany you. Les miracles te suivent. Miracles follow you. Tu ne cherches pas les miracles. You don't look for miracles. Les miracles viennent naturellement. The miracles come naturally into your life. Quand quelqu'un te voit, il veut être comme toi. When someone sees you, they want to be like you. Parce que le ciel est ouvert. Because heaven is open upon you. Nous avons vu que le ciel était fermé pour plusieurs raisons. We saw that heaven was closed for many reasons. Mais quand Jésus-Christ est venu sur la terre, when Jesus Christ came upon on earth, le jour où il était baptisé, the day he was baptized, la Bible nous dit que quand il est sorti de l'eau, le ciel fut ouvert. Depuis ce jour-là, le ciel est toujours ouvert. Heaven is still open. Mais le problème, c'est quoi? But what's the problem? Quand Jésus-Christ est sorti de l'eau et que le ciel fut ouvert, and heaven was open, il y a eu deux choses qui se sont passées. Two things happened. La Bible dit ceci. The Bible says, les gens ont vu. People saw. Les hommes ont vu. Men saw. Jésus-Christ a vu. Jesus saw. Il a vu que le ciel était ouvert. He saw that heaven was open. Le problème avec nous. The problem with us is that le ciel est ouvert. And heaven is open. Mais nous ne voyons pas. But we don't see it. Nous ne voyons pas. We don't see it. La deuxième chose qui s'est passée. The second thing that happened. Il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. That was heard from heaven. Le problème avec nous, c'est que nous n'entendons pas. We don't hear. Alors, vendredi, nous avons dit ceci. So, Friday, this is what nous devons said. Prier we have to pray pour que nous puissions voir so that we can be able to see et que nous puissions entendre. And we can be able to hear. Parce que quand tu vois, because when you see, alors tu comprends que ta vie est différente. You understand that your life is tu ne vis pas comme n'importe qui. You don't live like anybody. Tu ne fais pas ce que tous les autres you font. Don't do what everybody else si do. Tu es jeune, par exemple, if you're young, for example, les jeunes aiment les femmes. Young men love women. Mais fun. Oh, young people only love fun. Oui, ils aiment aussi. Alléluia. Et ils n'aiment pas venir à l'église. And they don't love coming to church. Mais quand tes yeux voient, but when your eyes see, alors tu peux être un jeune homme différent. So you can be a young, a different young. Est-ce que nous comprenons cela? You understand? Quand that? Tous les jeunes vont de ce côté, when all the youths are going to quand tu leur dis non, pas de ce côté-là. You tell them, no, not moi, c'est de ce côté-ci. Oh, me, I'm going to il y a un jeune comme Obama quand il était enfant, like, il savait voir. There's a young person like Obama when he was a child, he could see. Quand les républicains ont fait des recherches pour savoir qui était son girlfriend? When the Republicans did a research to see who was his girlfriend, trouvé. They did not find. Parce qu'Obama voyait. Because Obama il savait see. Qu'un jour je serais président. He knew that one day I'll be the president. Quand le ciel est ouvert, when heaven is open, tes yeux s'ouvrent. Your eyes open. Et tu vois. And you see. Voilà ce que Jésus-Christ disait. This is what Jesus Christ said. Ce que je fais. What I do. Je vois mon père. Je vois mon père le faire d'abord. I see my father doing it first. C'est ce que mon père fait. So it's what my father does. Moi je le vois. That I see. Et puis je le fais. And then I do it. Toi ce que tu fais ici sur terre. What you're doing here on earth. Tu as vu ça où? Where have you seen it? Demande à ton voisin. Ask your neighbor. Tu vois. Where do you see? Ta façon de parler. Your way of talking. C'est où que tu l'as eu? Where did you get this from? Ta façon de faire les choses. Your way of doing things. Tu as vu ça où? Where Jésus-Christ disait,
J'ai vu mon Père le faire. C'est pourquoi je le fais. That's why I'm doing it. Quand le ciel est ouvert sur toi, when heaven is open upon tu vas voir. You're going to see. Il y a Gehazi qui est venu chez le prophète Élie. Gehazi came to the prophet Elijah. Il dit à Élie, he said to Elijah, nous allons mourir. We are going to die. Parce qu'il y a des soldats là dehors qui sont venus pour nous tuer. Because there are soldiers out there who came to kill us. Et le prophète s'est moqué de lui. And the prophet made fun of him. Il a seulement dit, Seigneur, said, Lord, ouvre-lui les yeux. Open his eyes. Quand ses yeux furent ouverts, when his eyes were open, il s'est rendu compte, he realized, que ceux qui sont avec nous, that those who are with us, sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Are more than those who are on, in us. Quand tu as des problèmes, when you have problems, et que tes yeux ne sont pas ouverts, and your eyes are not open, tu vas pleurer sur ces problèmes. You're going to cry on that problem. Le Seigneur, je ne comprends pas. Oh, but Lord, I don't understand. Pourquoi les problèmes ne viennent que chez moi? Why do I only, the problems only pourquoi come moi? Why me? S'il y a de la mort, death, c'est toujours dans ma famille. It's always my family. S'il y a la pauvreté, poverty, c'est toujours avec it's always moi. With me. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, you got to open your eyes, tu verras que ça, ce n'est que passager. Alors ta façon de vivre, so your way of living, ne sera pas par rapport à ce que tu fais, tu vis, mais par rapport à ce que tes yeux voient. Et tu seras différent. And you'll be different. Voilà pourquoi la Bible dit, that's nous ne marchons pas selon walk, la vue, we don't walk by sight, mais nous marchons par la foi. And walk by faith. La foi, c'est quoi? What is faith? La foi, c'est voir l'invisible. Faith is seeing the invisible. La foi, c'est voir ce qui n'existe pas encore faith maintenant. What does not exist now. Et parce que tu as confiance en Dieu, and because you have confidence, tu sais que les choses vont marcher. You know that things will work. Et tu n'as peur de rien. And you're not scared of anything. Tu ne vis pas comme n'importe qui. You don't live just like anybody. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Because you're not anybody. Dis à ton voisin, tu n'es tell pas n'importe qui. You're not anybody. Tu n'es pas n'importe qui. You're not anybody. Alors ne vis pas comme n'importe qui. You don't live like anybody. Alléluia. Si tu es assis à côté d'un jeune, if you're sitting next to you, dis-lui tu es un jeune différent. Tell him you're a different you. Vis d'une manière différente. Live in a different way. Ne fais pas ce que tous les jeunes font. Don't do what all youths are doing. Alléluia. Gloire au Seigneur. Glory to God. Il faut que nous soyons différents. We have to be different. Mais aussi nous devons entendre. But we also have to listen. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. The Bible says, my flock hear my voice. Toi, la voix que tu entends, but you, the voice you hear, c'est la voix de qui? Who is whose voice? Les musulmans, quand ils entendent les muezzins, Muslims, when they hear muezzins, trois fois par jour, ils vont à la prière. Three times per day, they go to for prayers. Ils entendent leur muezzin. Les muezzins, c'est les chefs spirituels. They listen to their spiritual father. Nous, les chrétiens, us Christians, nous entendons la voix du berger. We hear the voice of the shepherd. Qui est Jésus? Who is Jesus? Quand il dit, va à la prière. When he says, go for prayer. Tu vas à la prière. Go for prayer. Va à la veillée. Go for waiting. Tu vas à la veillée. Go for vigil. Mais toi, là où tu as l'habitude d'aller, but where you always go to, tu entends la voix de qui? Whose voice do you listen? Demande à ton voisin, c'est la voix de qui? Whose voice do you listen? Qui t'amène là où tu vas? Who leads you where you go? Non, demandez, soyez. Ask your answer, be serious. Là où tu as l'habitude d'aller, where you always go? Tu as entendu la voix de qui? Whose voice do you listen? Alléluia. Ça, c'était le message de vendredi. That was the message of Friday. Et c'est mon introduction. And it's my introduction. Maintenant, nous allons prier. Now we're going to pray. Pour les trois clés. For the three keys. Pour ouvrir la porte du ciel. To open the door of heaven. Pour forcer la porte du ciel. To force the door of heaven. Prions ensemble. Let's pray together. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera, non, non. Non, 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 jamais ne passera. La Bible, la parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es sorcier, c'est toi qui passera. Mais la parole de Dieu jamais ne passera, non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais passée. Prie Dieu maintenant. Pour que Dieu te parle.
comme cela, God should speak to you. Jacques, le frère de Jésus, avait dit ceci. James, the brother of Jesus said, ne vous mettez pas seulement à écouter la parole de Dieu. Don't only listen to the word of God. Il faut la mettre en pratique. You have to put it into practice. C'est quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, it's when we put the word of God into practice, que nous allons voir les résultats. That we are going to see the results. Venir le dimanche à l'église ne changera pas votre vie. You come to church on Sunday, it's not going to change your life. C'est quand vous appliquez ce qui a été dit. It's only when you apply what was said. Et votre vie sera changée. That your life will be changed. Merci Père de nous parler ce matin. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus Christ. Amen. Alléluia. Je suis allé dans la Bible. I went to the Bible. Pour chercher les clés. To find you for the keys. Pour ouvrir le ciel. To open heaven. Il y en a beaucoup. There are many of them. Comme avait dit Papa Jean, si tu regardes la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, like il Papa y a plein de versets qui parlent du ciel ouvert. When you look at the Bible from the book of Genesis to Revelation, there are many verses that talk about the opening. Pourquoi of cela? Why is it like Parce that? Parce que l'intention première de Dieu. Because God's first intention. C'est que l'homme puisse marcher avec un ciel ouvert. That God might be able to walk with an open heaven. Où il est en communion parfaite avec Dieu. When he's in perfect communion with God. Ça c'était l'intention première. That was God's first intention. C'est ce que Dieu veut. That's what God wants. Mais avec le péché, but with sin, le ciel fut ouvert. Heaven opened. Et fut plutôt fermé. Heaven closed. Et dans l'Ancien Testament, and in the Old Testament, quand tu lis l'Ancien Testament, when you read the Old Testament, tu verras qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de Seigneur, si tu peux déchirer le ciel et descendre. You see many verses that say, Lord, if you can destroy the heaven and come down. C'est parce que le ciel était fermé. It's because heaven was closed. Adam avait fermé le ciel. Adam closed heaven. Lui et sa femme Eve à cause du péché. Him and his wife Eve because of sin. Le mal était tellement fort. The evil was so strong. Que Dieu plusieurs fois avait décidé d'en finir avec le monde. That God decided many times to end the world. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus Christ, qui est venu pour réouvrir le ciel pour nous. Came to open heaven once more for us. Mais pour que nous vivions cette ouverture du ciel, but for us to leave this opening of heaven, il y a des choses que nous devons faire. There are things that we have to do. Il y a la clé, les clés que nous devons utiliser. There are keys that we have to use. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces trois clés. And today I'm going to talk to you about these three keys in a few minutes. La première clé, prenons nos Bibles. Let's take our Bible. The first nous les trouvons dans Matthieu chapitre 18. We see in Matthew chapter 18, verset 19 à 20. Verse 19 to 20. Matthieu chapitre 18. Matthew chapter 18. Verset 19 à 20. From 19 to 20. Très rapidement, Matthieu 18. Very fast, Matthew 19 à 20. 19 to 20. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà trouvé qui peuvent lire? Oh, je vais lire moi-même. Again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them as of my Father which is in heaven. Alléluia. En français, on dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, ici, il y a une relation entre le ciel et la terre. And earth. Et cette relation and this relationship nous montre la clé shows us the key pour que nous puissions ouvrir le ciel. Of that we can use to open heaven. Et qui a trouvé ça, la clé? And who found the key? Who has found the key? Quelle est la clé? What is the key? La communion. Être ensemble. Ok. Relisons. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la clé? What is the key? La prière. Alléluia. Ok. La clé. The key. Chaque clé que nous utilisons pour ouvrir une porte, each key that we use to open a door, c'est une clé. It's a key. Tu introduis là où il faut, dans la serrure. You insert it to the il faut door. Savoir s'il faut
ouvrir en allant à gauche ou à droite. You're supposed to know if you can open it by touching the left or the right. Ah, des petites choses que tu dois savoir. Des petits secrets que tu dois savoir. This is secret that you have to know. Actuellement, il y a des clés qui sont seulement des chiffres. Il faut que tu connaisses ce qu'il faut utiliser. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Or codes. You have to know which numbers to use. La clé ici, the key here, c'est la prière. It's prayer. Mais la prière a des secrets. The prayer has secrets. Elle ne peut se faire que quand il y a accord. It can only be done when there's agreement. La prière ne peut ouvrir le ciel. Heaven can open heaven. Que quand il y a accord. Only when there's an agreement. Supposons que l'homme a besoin de 10 000 $. Let's say a man needs $10,000. Ils sont mariés. They are married. La femme a besoin de $15,000. A woman needs $15,000. Il n'y a pas accord. There's no agreement. Ils vont seulement dire ok Seigneur. They say, okay, Lord. La femme va dire Seigneur donne-moi 15 000. The woman say, Lord, give me l'homme 15, dit donne-moi 10 000. Man say, God, il n'y a pas accord. There's no agreement. Alors dans le ciel, so Dieu a l'argent. God has the money. Il a un paquet de 10 000 ici. Il a un paquet de 15 000. Il y a un ange là qui doit descendre pour vous donner l'argent. Mais Dieu est en train de se demander quelle enveloppe je dois envoyer. Parce qu'ils ne s'entendent pas. L'homme va dire à la femme, toi, the man will tell the woman, each time you have money, you waste it. C'est pourquoi tu cherches 15 000. That's why you're looking for 15,000. Quand tu as besoin, c'est seulement 10 000. Since my needs are only 10,000. Entendez-vous. Quand il y a accord, c'est comme ça que Dieu a ouvert le ciel. God will open heaven. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme avait dit Pasteur Charlie le dimanche passé. Like Pastor Charlie said last Sunday. À l'église. In church. Si tout le monde vient avec sa vision. If everyone comes with their vision. Le pasteur a sa vision. The pastor has his vision. Le diacre a sa vision. The deacon has his vision. L'ancien a sa vision. Il y a plusieurs visions. There are many visions. Il n'y a pas entente. There's no agreement. Il n'y a pas accord. There's no. Dieu ne bénit pas. God will not bless. Alléluia. C'est quand il y a accord. It's when there's agreement. Que maintenant Dieu va agir. That God, now God will act. Et tout le monde sera béni. And everyone will be blessed. Dans cet accord. In this agreement. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Because God is the God of order. L'accord. Agreement. Mais la clé. But the key. C'est la prière. Is prayer. Souvent quand nous prions. Often when we pray. Dans ce pays où il y a un démon spécial. In this country where there's a special demon. Est-ce que quelqu'un connaît le démon des États-Unis? Does anybody know the demon of the United States? Comment il s'appelle? Busy. J'ai entendu un autre nom d'un autre démon là-bas. Overtime. Overtime. Il y a un autre démon que vous connaissez aux États-Unis. Hein? Cell phone. The cell phone. Ça, c'est un démon qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. The demon that just came is not the vous pouvez voir un couple qui ne se parle pas. You can see couples that do not speak. Mais tous les deux sont en train de parler dans le Facebook avec d'autres personnes. Un démon terrible. Même au travail. Even at work. Vous allez voir les gens viennent, ils ont l'habitude de manger ensemble à table au moment de pause. Mais avec le cell phone, quand ils viennent maintenant, when they come, ils ne se parlent pas. They don't talk anymore. Tout le monde. Everybody. Avec ce démon là, c'est difficile que nous puissions prier. It's difficult for us to pray. Parce que le Facebook te prend 2 heures. Because Facebook takes 2 hours. Et quand tu as fini, tu es fatigué, tu ne sais pas. And when you're done, you are tired, you don't know how to pray. Les busy du travail, l'overtime. The overtime and business. Ne te donne pas le temps de prier. Doesn't give you time to pray. Pourtant, nous avons oublié que. But we forget that. Faire overtime sur overtime. That we can do overtime. Nous pouvons être busy comme nous voulons. We can be as busy as we want. Nous pouvons avoir le meilleur cell phone. We can have the best cell phone. Mais si le ciel nous est fermé. But if heaven is open to us. Rien ne va se passer dans notre vie. Nothing will happen in our lives. Nous allons tourner en rond. We are going to go in circles. Tu seras comme Jésus-Christ. You'll be like Jesus Christ. Jésus-Christ est parfait. Jesus is perfect. C'est pourquoi on dit de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Why you say he's the same yesterday, today, mais toi, tu seras comme Jésus. But you're going to be like Jesus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesterday, today, and forever. Mais en étant imparfait. But being imperfect. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi il est important que nous puissions prendre la prière. That is why it's important for us to take prayers. Comme priorité de notre vie. Like a priority in our lives. Comme clé pour ouvrir le ciel. Like a key to open heaven. Amen.
Il y a un vendredi où le jeune prophète a parlé de la prière ici et c'était magnifique. It is a Friday where the young prophet talked about prayer here and was wonderful. That's why you have to come. Allons très rapidement avec la deuxième clé. Let's go very fast with the second key. Ne priez pas en ayant la brosse à dents dans la bouche. Don't pray while you have your toothbrush in your Seigneur, mouth. Tu sais que nous sommes pressés dans ce pays. Ce n'est pas ma faute, Seigneur. Le deuxième job m'attend. The second job is waiting for me. Merci Père. Thank you, Father. Cette prière là. That prayer. Ne peut pas ouvrir le ciel. Amen. Hier nous étions à notre cellule de Kentucky, j'ai donné cet exemple. Une femme qui est venue me dire, pasteur, voilà cette femme là a pris ma femme, a pris mon mari. Je ne sais pas comment il a fait. I don't know how she did. Mais tout ce que je fais à la maison, mon mari ne regarde plus. All what I'm doing at home that my husband tout son cœur c'est avec cette femme. All his heart is with that woman. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? What can I do now, alors, j'ai dit, il faut que tu pries. I said, you have to pray. Mais je prie. She said, but I pray. Mais quel genre de prière tu fais? But what kind of prayer do you do? Parce que prenons par exemple l'exemple de cette femme-là qui a pris ton mari. Let's take the example of that woman who snatched your husband. Est-ce que tu sais quel sacrifice elle a fait pour avoir ton mari? Do you know the sacrifice that she did to have your husband? Si elle est allée voir le féticheur, if she went to see the witch doctor, il doit avoir donné l'argent. And she must have given money. Le féticheur peut-être lui a dit à minuit, ne dors pas, fais ceci et fais cela. The witch doctor told her midnight, don't. Elle a respecté. She respected. Lui a dit mets quelque chose dans sa nourriture. Put something in his food. Elle a préparé une bonne nourriture. A good dish. C'est du temps. C'est du sacrifice. Et quand ton mari est venu, when your husband came, elle a bien entretenu ton mari. He took good care of your husband. Il y a des femmes qui, même quand la nourriture est mauvaise, you know, sa façon seulement d'être et de vous parler, vous mangez. Good, just a way of treating you. Elle a fait tout ça. She did all that. Alléluia. Et l'homme a mangé. And the man ate, et il est parti. And he left. Alors toi, tu crois que tu peux récupérer un tel homme avec une prière de 5 minutes? You can take back that man with a prayer of 5 minutes. Alléluia. Prions sérieusement. Let's pray seriously. Jésus-Christ avait dit ceci. Priez sans cesse. Pray without ceasing. Dis à ton voisin, prie sans cesse. Pray without ceasing. Ne te fatigue pas de prier. Don't get tired. Prie le matin. Pray the prie à midi. Pray at prie le soir. Pray the evening. Va à des réunions de prière. Go to meeting. Va à des veillées. Go to cherche Dieu. Seek God. Et tu le trouveras. And you find him. Et lorsque tu l'auras vraiment trouvé, and when you would have tu remarqueras que le ciel est ouvert. You will see that heaven is open for you. La plupart des gens qui se lamentent sur leurs problèmes. Many people lament on their problems. Le vrai problème qu'ils ont. The true problem that they have. Ils ne prient pas. Is that they don't pray. Amen. Deuxième clé. Second key. Nous trouvons cela toujours dans Matthieu. We still find that in Matthew, chapitre 28. Chapter 28. Verset 19 à 20. Verse 19 to 20. Rapidement, allons-y. Matthieu 28. Matthieu 28. 19 à 20. 19 to 20. Matthieu 28. Matthieu chapter 28. 19 à 20. 19 to 20. Tu peux lire, maman. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son. Oh, commençons à 18. Commençons à 18. Let's start from 18. Parce que là, on montre la relation entre le ciel et la terre. Because there, there verset 18. Verse 18. 18 ne vient pas encore. Il est où? Quelqu'un a trouvé 18 peut nous lire. Can someone find 18? They can read for us. 18. 18. Yeah. Vas-y, il y en a. I have given all authority in heaven and on earth. Mm-hmm. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Alleluia. Et le verset 20 dit. Teach these new disciples to obey all the commands. Mm-hmm. Verset 18, et Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Quelle est la clé? What is the key? Quelqu'un a trouvé la clé? Has someone found the key? Uh-oh. Quelle est la clé? What is the key? Je vais répondre.
Je vais recommencer. Jésus-Christ s'approche. Jesus comes closer. Il dit ceci. And he says, tout pouvoir, all power, dans le ciel, in heaven, et sur la terre, and on earth, c'est entre mes mains. Is in my hands. Tout pouvoir, all power, dans le ciel, in heaven, et sur la terre, and on earth, c'est entre mes mains. In my hands. Alors, si vous avez besoin de ce pouvoir, so if you need this power, une seule chose que vous devez faire, only one thing that you have to do, allez, go, et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les, enseignez-les, and teaching them, et moi, and I, le ciel, heaven, je serai toujours avec vous be with you jusqu'à la fin to the end of time. Quelle est la clé? What is the clue? Évangélisation. Evangelization. Alléluia. Jésus-Christ dit, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, mais pour autre chose. But there are many people who use this verse for other things. Oh, Jésus-Christ a dit, c'est oh, Jesus Christ said he's going to be with us to the end of time. Quand? When? Quand nous évangélisons. When we evangelize. Amen. C'est pas qu'il sera avec toi, tu es chez not toi. Not that he's going to be with you, you are at home, doing nothing. Et il est avec toi. And he's with you. Oh. Ça c'est l'ange qui sera avec toi. But the angel will be with you. Mais Jésus lui, but Jesus c'est himself, quand tu fais quelque chose. It's when you do something for him. Qu'il t'ouvre le ciel. He will open heaven for you. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'un ange seulement. I don't only need an angel. J'ai besoin de Jésus avec moi. I need Jesus with me. Et pour l'avoir, and to have que it, le ciel soit ouvert. If I have to be une clé. A key. Évangélise. Evangelize. Parle à quelqu'un d'autre. Talk to someone else. De Jésus-Christ. About Jesus Christ. Donne ton témoignage. Give your testimony. Et alors, je demande, mais moi je ne suis pas pasteur, comment but je peux prêcher? There are people who say, I'm not a pastor, how can I preach? Parle de comment tu as été sauvé you toi-même. Tell them how you'll be saved. En 5 minutes. In 5 minutes. Tu peux dire ce que tu étais. You can tell them what you were. Comment Dieu t'a sauvé? How God saved you? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? What he did in your en life? 5 minutes. In 5 minutes. Tu peux amener quelqu'un. To bring someone to Christ. Alléluia. Tu n'as pas besoin de prendre la Bible, verset tel, chapitre tel. Non, donne ton témoignage. No, give your testimony. Jésus-Christ a dit ceci. Jesus Christ said, vous serez rempli du Saint-Esprit. You'll be filled with the Holy Spirit. Et vous serez mes témoins. And you'll be my witnesses. À Jérusalem. In Jerusalem. À la Judée. Judea, à la Samarie. And Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. All the ends of the vous avez quitté l'Afrique. You have left Africa. Vous êtes venu ici. You came here. Je ne sais pas si c'est l'extrémité de la terre déjà. I don't know if it's the end of the earth. Donnez votre témoignage. Give your testimony. Témoigner de Jésus. Testify of Jesus. Vous savez pourquoi nous avons honte de témoigner de Jésus? You know why we are ashamed to give parce qu'il peut y avoir une différence entre ce que nous disons because there can be a difference between what we et ce que nous sommes. And what we are. Parce que tel que les gens te connaissent, because the way people know you, si tu ouvres seulement la bouche, if you only open your mouth, dis, reçois Jésus, say, receive Jesus. La personne va te regarder. The person will look at you. J'aimerais recevoir un autre Jésus. Say, I would like to receive another Jesus, not yours. Alléluia. Ce qui signifie que pour bien évangéliser, which means that to evangelize well, il faut d'abord you have to first of que Jésus-Christ s'approche de toi. Jesus Christ has to first of all come le verset dit ceci. The verse says, Jésus-Christ s'étant approché. So Jesus went closer. Il s'est approché de he went closer to the disciples avant de leur donner cet ordre. Before giving them that order. Avant de leur donner cette clé. Before giving them that key. Pour ouvrir le ciel. To open heaven. Je serai avec vous. I'll be with mais you. D'abord, il s'est approché. But first of all, he went closer. Est-ce que Jésus-Christ s'est approché de ta vie? Has Jesus come closer to your life? Si Jésus-Christ n'est pas près de ta vie. If Jesus is not close to si your Jésus-Christ life. N'est pas dans ta vie. If Jesus is not in your c'est life. C'est difficile que tu aies cette clé. It's difficult for you to have that qui ouvre key. Le ciel. Which opens heaven. Alléluia. Je faisais rire un petit frère ici. I made a young man laugh. Je dis, je suis, l'année passée, je suis allé à Londres. I said, last year I went to London. Et de Londres, il y a un ancien frère qui m'a appelé. And in London, there was a old à Rotterdam. A brother who called me in Rotterdam. Évangéliser a des bénéfices. To evangelize has benefits. Le ciel est ouvert. Heaven is open. Il m'appelle, pasteur, est-ce que tu peux venir à Rotterdam? He called and said, pastor, can you come to Rotterdam? Je dis, non, moi mon billet c'est juste ici seulement. I said, no, my flight ticket is only to London. I said, I'll pay. Bon, moi l'argent que j'ai amené, que maman Colette m'a donné, c'est juste pour ici. But money I brought that maman Colette gave l'hôtel. Me. He said, no, pastor, we'll pay the toi, hotel. Toi viens seulement. You just come. Parce que ce que tu ne sais pas, because what you don't c'est know, qu'un jour tu m'as évangélisé. That one day you evangelized to tu m'as enseigné. You
Et aujourd'hui, je suis un pasteur. And today I'm a pastor. Alors, je voudrais montrer à ma congrégation que j'ai un père spirituel. That I have a spiritual father. Alors, viens. So come. Je suis allé à Rotterdam. I went to Rotterdam. Qu'est-ce que c'est beau, Rotterdam? Oh, Rotterdam is beautiful. Papa Roger, tu as été là-bas, n'est-ce pas? Papa Roger, you've been there. Beau. Beautiful. On m'a mis dans un hôtel 5 étoiles. They put me in a 5-star hotel. Évangélise et tu auras des facilités comme ça. Evangelize and you have facilities like that. Alléluia. Le ciel est ouvert. Heaven is open.